Et Dodo avec nous toute la nuit. On y va? Nayou? Viens. Nayou. Bon, eh bien, comme vous l'aurez compris au titre de la vidéo, on se retrouve sur la chaîne déjà de Romy. Mais surtout, 24 ans en confinement avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop ce qu'on va faire de la journée, très sincèrement. Mais c'est parti! Je pense que je vais manger des céréales. Il est hyper tard. On s'est levé, il était midi, je crois. Je vais manger des céréales. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais prendre mon petit déj avec vous. Je bois ça en ce moment, c'est trop bon. Est-ce que vous connaissez? Bon, je bois plus de lait depuis des années. Je bois du lait de soja au calcium, qui est trop bon. Parce que déjà le lait ça me fait mal au ventre. Et puis l'industrie du lait c'est vraiment cacatesque, si on peut dire ça comme ça. Dès que je me lève, bon déjà on se lève à midi à peu près tous les jours. Hier on a fait du 11h30, on était en mode waouh c'est tôt, c'est trop bien et tout. Morning routine, on arrive ça y est à la tenir. C'est surtout qu'il y a eu le changement d'heure cette nuit. Oui aussi, du coup ça veut dire qu'on s'est levé à 11h finalement. Ce que je fais c'est que je déjeune et j'évite d'aller sur les réseaux sociaux direct, alors qu'avant je sais que c'est le truc que je faisais directement, mais j'évite d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les nouvelles, sinon ça va m'angoisser d'entrer. J'ai pas, enfin on a pas besoin de ça je pense. Voilà, bah bon appétit. Mais je crois que il faudrait que la journée soit productive idéalement. Je pense qu'on va faire plutôt des petites conneries, genre des TikTok, des trucs comme ça. Bon du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me laver, je pense que ça peut être utile, ça peut être une bonne chose. Je vais mettre un petit crop top et un jogging. C'est pas la base du confinement, genre le jogging. Allez, je vais me laver. Merci. Bon, du coup, j'allais me laver les cheveux parce qu'ils sont mais vraiment hyper gras. Et je voulais vous parler de la marque Airburst. Si vous connaissez pas, déjà, je vais prendre un petit bonbon. Je vous en ai parlé en story la dernière fois. C'est des produits. Donc là, c'est des petites gummies, comme on dit des bonbons. La meuf, c'est juste pas un... Comment on dit déjà en français? J'arrive. Et je vous en avais parlé, notamment pour la pousse des cheveux. Il y a un moment, comment j'avais fait pousser mes cheveux et tout, parce que vous étiez en mode, waouh, mais tes cheveux sont hyper longs, ils ont grave poussé. Bah, merci Airburst, en fait, tout simplement. On a aussi des shampoings et un conditionneur. Moi, je les utilise depuis hyper longtemps. Je vous en ai parlé à la dernière fois en story. Je vous en avais parlé aussi il y a 3 ans. De ça, j'avais encore les cheveux hyper longs, hyper beaux. Et du coup il s'agit d'une vidéo en collaboration avec cette marque que j'aime du plus profond de mon cœur. De moi-même j'ai déjà acheté plein de fois ces shampoings. Là ils me les ont renvoyés, je suis trop contente parce que j'en avais plus. Du coup c'est des shampoings à l'avocat et à la noix de coco. Ils sentent mais hyper bon sa mère. Genre vraiment, ils sentent trop bon et ils font des cheveux tout doux, tout brillants et qui poussent. Ça fait vraiment pousser les cheveux et alors avec ça en plus c'est de la grosse tuerie. En plus c'est adapté pour les véganes et c'est trop bon en plus, enfin, t'en manges 2 par jour et hop, basta. Et mon but c'est d'avoir les cheveux beaucoup plus longs comme je vais vous montrer une photo là. La magie du montage. Parce que j'ai eu les cheveux courts, ça va un temps mais j'ai envie à nouveau d'avoir les cheveux longs. Je vous mets un petit code promo ici même, valable sur tout le site, même s'il y a des soldes, c'est cumulable, etc. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Là, si jamais vous avez déjà testé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que je pense qu'on est beaucoup à kiffer cette marque. Je vais vous montrer à quel point ça me fait les cheveux doux. Surtout que là, j'ai les cheveux tout gras, alors le changement, je pense qu'il va être radical. A tout de suite. Et me regarde pas me laver, hein. Ça va pas ou quoi? Je vous vois. Ok, je vais m'occuper de mes vaches. Je vais venir les démêler et pour ça je vais utiliser un spray toujours de chez Airburst qui va apporter du volume, de la brillance, protéger aussi contre la chaleur. C'est hyper important, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vraiment prendre soin de mes vaches et éviter qu'il y ait des frisottis, des trucs comme ça. Du coup voilà. Si quand j'avais les bras vous voyez des petits poils sur mes aisselles, et bien ce n'est pas grave, on est en plein confinement. Donc voilà, j'ai les wallpes sous les bras. Vous voulez voir la magie du montage? J'ai les cheveux avec du volume mon pote. Je vais me faire des petites couettes comme j'ai l'habitude de faire, surtout quand j'ai les cheveux qui ont beaucoup beaucoup de volume comme ça. Je prends des tout petits chouchous comme ça. Je galère, on va dire que c'est pas si mal. Et ensuite l'autre côté pour faire la même chose. Voilà, c'est à peu près la même chose. On va dire. Et évidemment, je vais mettre vite fait de l'anti-cerne parce que je ne peux pas vous laisser avec cette face.
C'est mon dernier verre d'ice tea, j'en ai plus après. Bon, il est temps de faire à manger. J'ajoute tout le temps des pignons dans mes salades, j'aime trop ça. Bon, bien vu qu'Anil n'a toujours pas fini de jouer, en attendant, pour aller manger, je vais vider le lave-vaisselle, enfin le remplir. Je m'ennuie. Tcham. Anil, tu peux venir jouer avec moi? Jouer à quoi? Je m'ennuie. Oh non. On peut jouer après si tu veux. La joie de vivre. C'est trop cool, on se retrouve, on passe des moments à deux, c'est... Bref. De retour dans ma chambre, je vais mettre un petit pull parce que j'ai froid. Vous savez lequel je vais mettre? Vous allez voir. Tadam. Tadam. Du coup, si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit de mon sweat que j'ai sorti pour ma nouvelle collection avec Nike de la dernière. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Oh non! Je te hais. Toi. Je fais trop le mec. J'ai trop de cartes. Regarde pas mes cartes. Hein. C'est à moi. Pas besoin de ça pour gagner, ouais. Oh la chatte. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, très bien. Je vous sens un peu tendu, monsieur, vous faire un massage de barbe. Non, ça va, merci. Bon, eh bien, je vais me mettre en place pour faire des petits TikTok. Vous vous moquez pas, hein? I promise, Daddy, that I will not have a boyfriend. No, not that. Oh, he is so cute. Don't say that. Va chier. Tout le monde m'appelle sauf Caroline. Oui? Bonjour. Bon, qui c'est là? C'est tout le monde sauf Caroline. Ah, parce que j'en ai marre. Il m'a fait chier. Pardon? Allô? Oh. Roger? Oui, c'est bien moi. Ici, c'est Caroline. Je pense que j'ai fini mes TikTok. J'en ai fait 2-3. Et je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller m'ennuyer un petit peu. Bon, ça va? Ouais, toi? Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris, je me suis fait un kiff et je me suis mis des trucs. En fait, je vais faire une photo pour la sortie de la collection de kids. Mmh, vous l'aurez déjà vu d'ici là. J'ai envie de manger tout et n'importe quoi. J'ai des comment on appelle ça déjà? Bon, l'air d'amer, mais j'ai surtout cette merde. Je mangerai ça, mais tout le temps en fait. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit forcément faire attention. Faut arrêter de dire en mode ouais, en confinement on va tous grossir. Et alors, si on doit grossir, on grossit. Je vois pas le problème. La bouffe rend heureux, hein. On va dehors. Oh, ce poil soyeux. Baggy. Baggy. Can you calculer ta mère? Je me souviens, hein, fin 2019, mon mec il m'a dit. Ouais, non mais de toute façon l'année 2020 ça peut pas être pire que 2019. Ça se passe bien le confinement? Bah écoute bien, on joue hein. Tout ouais. Bien s'occuper hein. J'ai l'impression qu'on est dans un appart différent. C'est vrai? On se voit jamais. Ah ouais, c'est vrai. Après on se voit tous les soirs et tous les matins et toutes les nuits. Autre activité de la journée, on me voit absolument plus. Ça va être de mesurer. Ouais. Tu fais combien à la base? Je fais 1m66. Pas du tout. Je suis en 1m62. 1,61 et demi là. Non, je suis en 1m62, c'est pas possible. Mais bah moi, si c'est le médecin hein, non, qui m'a mesuré. Si Kiki avec tes cheveux, c'est bon, ça fait 1m62. Non, mais non, mais moi, c'est le docteur qui m'a mesuré. Ouais, Naya, dis quelque chose, putain. Il a arrondi. 18. Motor action. Est-ce que vous aussi, vous faites ça pendant le confinement? Genre, vous vérifiez s'il y a des gens dehors et ce qu'ils font et vous leur demandez leurs attestations. Faut pas déconner. Il y a son père. Ah, il y a un petit monsieur qui va faire ses courses là-bas, je crois. Il y a un petit monsieur qui fait du sport.
J'ai roté. Ouais, super. Je sais jamais comment monter sur toi, j'ai peur tu de sauter le dos. Ouais, mais j'ai peur de passer en avant. Adada, je m'en mêle. Côté toi, tu fais des pays. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais me doucher déjà. On douche à 19h30. Je suis tout le temps me douche en confinement. Ah bah ça c'est clair. Cette petite Nayou, elle peut plus me voir. Oh, tiens, comment on allume la caméra? Attends, je vais bien remettre le zoom. Ok, est-ce que c'est bon là? 20h, on fait ding 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 sur les casseroles. On applaudit pour les aides-soignants, enfin pour les soignants, pour les livreurs, pour tout le monde. Ensuite, 20h03, on va faire un petit live. Il y aura Théo, Tatiana, Charlène. Donc ça va être cool. Et ensuite, on fera un apéro party. Je vais prendre ma meilleure casserole. Celle-là, elle est pas mal. Et pour les soignants, allez, allez! Et pour les soignants, allez, allez! Je brille. Coucou. Ça va ou quoi? Mais là cette semaine, je sais pas, j'ai commencé vraiment à me focaliser sur tout le positif qu'on pouvait en tirer. Ouais, genre, ouais, titre ouais. Personnel, hein, parce que c'est pas quelque chose de positif. Bon, et bien voilà, le live est fini. Maintenant, on passe à l'apéro. Du coup, on va se connecter sur l'application House Party. C'est parti! Et salut! On a pris ça, ça, ça. Et on va prendre des petits trucs à tartiner. Ouais! Bonne année! Bébé! Non, non, attends, c'est censé être un animal, regarde, c'est écrit. Un ourson! Une souris, une souris! Une souris! Non. À quoi là? À quoi là? À quoi là? Oui! Oui! Ouais, joli! Oh non, mais pourquoi elle est partie? Bon, et eh bien, un apéro plus tard, je vais aller me démaquiller et je vais mettre des trucs sur mes boutons. Comme tout à l'heure, passage de meuf fraîche, à peu près fraîche, plus trop fraîche, à Zombieland. Tadam. Très sexy. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, je voulais vraiment vous montrer un petit peu ma journée, moi, comment ça se passe, mon confinement. Et puis je pense que ça se passe un petit peu de la même façon pour tout le monde, mais pour essayer de dédramatiser, se dire que bah il faut rester chez soi, absolument, rester chez vous. Enfin, j'ai pas envie de reparler de ça, mais vraiment, c'est tellement important. Et je veux dire, il faut essayer de relativiser, se recentrer un petit peu sur soi-même, essayer de faire des choses un petit peu plus simples, etc. C'est le moment, je pense, pour faire des trucs dont on n'a pas le temps d'habitude. On pense vraiment à toutes les personnes, les soignants, les livreurs, les personnes qui travaillent dans l'alimentaire. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous aime très 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 fort. Bisous.